Ouais, salut les oiseaux, c'est Rex Power Colt. On se retrouve aujourd'hui pour mon aventure sur Blue Dragon. J'espère que vous allez bien les oiseaux, c'est Parano. Donc écoutez, on se retrouve pour la suite. Dans l'épisode précédent, je me suis tapé un délire de fou, excusez-moi. Comme d'hab, ce jeu me fait partir en vrille. Dans l'ancien épisode, on avait fait beaucoup de garnisons, beaucoup de, on va dire, de secrets, de VHS, etc. On va se consacrer vraiment... Qu'est-ce que c'est ça? Scientifique. On va se consacrer pour cette fois-ci sur la quête principale. Histoire quand même d'avancer un petit peu. J'avais pris combien? J'ai 1, 2, 3 garnisons. Les VHS ils sont en plein milieu. Alors écoutez, je vais juste récupérer où c'est que je dois aller. Je dois aller là-bas. J'ai récupéré juste note du docteur. Et on va aller directement à la base là-bas. C'est à 600 soins du mètre. J'aurais dû prendre un véhicule comme d'hab, mais je ne l'ai pas fait. Attendez, je vais voir s'il n'y en a pas un qui traîne. Il y en a un qui traîne. C'est quoi cette merde? J'écrase tout le monde. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Wow, 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 wow. C'est reparti. En mode Terminator, les oiseaux. Bon, je vois que cette aventure a l'air quand même de vous plaire. Moi, perso, vous le savez, je suis en kiff total. On va casser des bouches. Je l'ai pas eu. Montre-moi ton cul. Montre-moi ton... Boum. Alors j'étais arrivé à combien de coeurs? Je crois que j'avais juste 99 coeurs hein, si je ne m'abuse. Je suis à 99 coeurs. Ok, je peux pas... Je peux pas être plus. Oh, il y a encore de... Quoi? C'est où que ça part en fait? Et sur quoi il tire? Mais ouais, mais tu tires sur des cailloux mon pote. Ma victoire est assurée. Ouais, c'est ça. Vas-y, recule, je t'écrase. Ils sont fada ces scientifiques quand même. Alors... des scientifiques, c'est café de scientifiques ici. Alors c'est à 200 mètres. Oula, 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 attendez. Le véhicule va tomber. Non, ça va. Alors que se passe-t-il? Allez, sors la tête. J'ai regardé un petit peu les rendus des vidéos. Et franchement, ça va, ça a l'air de bien donner. Même avec la luminosité comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, j'essaie de l'augmenter au maximum. Mais c'est vrai que ce jeu se veut être sombre. Donc c'est pas évident. Mais bon, ça va, franchement, j'ai regardé un petit peu le résultat et ça passe bien. Alors, il faut aller par où? Grotte souterraine? On dirait. Des petits bateaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Un squelette de dragon? Des sous-sous, des sous-sous, encore des sous-sous. Je vais être fou. J'ai regardé un petit peu hier les comment ça s'appelle les défis que je devais réaliser. Oh, chargeur amélioré. Ouais, ouais. Les défis que je devais réaliser. C'est quoi cette merde? Il est mort lui, non? Non, il dormait. Oh, le pauvre. Je vais me faire tuer encore par ma femme. Dire, mais tu tues des animaux. C'est un vaccin contre la peste. Regarde, il est pas bien. Je me rappelle plus de quoi je parlais. C'est normal. C'est Blue Dragon, il vous fait partir en vrille total. On va se faire une... des morts d'affilée. Tranquillou, hop là. C'est bon, il y a des guns derrière. Je vérifiais juste qu'il y avait personne derrière, hein, vous inquiétez pas. Je suis pas fou comme ça le traîner pendant 800 mètres.
D'accord, c'était eux. C'était donc toi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas au fond? Des copains. Donc, je dois aller par où? Je dois aller par où? J'ai dit que je m'attaquais pas aux garnisons. Donc, exploser des trucs. Ça vous dérange pas, je vous pique votre véhicule? Alors, moi je suis par là, il faudrait que je revienne en arrière pour remonter un petit peu. Alors moi, est-ce que je passe par ici? Je pense que je vais passer par là. Et je vais me faire griller direct, non? Est-ce qu'il y a un chemin, il y a un chemin. Scan en cours. Nouvel objectif. Non. Localiser, éliminer tous les ennemis avant de continuer. Non, rien du tout. Fait. Ça sert à rien, je me taille. Non, je cherche pas l'affrontement là. Quoique, je suis Rex Power Colt. Non, je rigole. Et quoique si quand même. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bande d'enflure, je vous fume. Alors c'est quoi le problème? Ouais, t'es allé à la morgue. Il est où le problème là? Hein? C'est quoi le souci? Je réitère ma question. C'est comme ça qu'on fait. Oh, enfoiré. Bon, c'est bon. Ça sert à rien que je récupère des cœurs, mais ça me donne de l'argent quand je les fouille, donc ça me fait chier un petit peu. Oh, oh. Fais pas attention à moi. C'est quoi ça? Oh oui. C'est quoi ça? Eh, pourquoi il veut pas prendre? Eh, mais il veut pas prendre l'arme que je veux? Ah, mais c'est normal parce que l'arc il était en haut. LOL! J'arrive à le toucher de là? Normalement, je le tue. Hein. J'arrive pas à l'avoir à la tête, il a son truc qui le masque. Ça va. C'est bon? Envoyez un médecin que je puisse le buter aussi. Tais-toi! Merde! Je le rate à chaque fois, putain, j'arrive vraiment pas à viser avec ce. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Eh, c'est un crocodile! Il est mort! Ah, donc il y avait des crocodiles! LOL! Ah, mais du coup, je l'ai pas tué moi, quoi! Eh, mes flèches! Qu'est-ce qu'elles foutent là, bordel! Et du coup, il y a des crocodiles, vous avez vu ou pas? Des alligators. Donc, il se peut qu'il y en ait. Faudrait que j'arrive à les tuer tous, hein. Parce que je... Oui, c'est ça que je disais. Quand je regardais les succès, j'ai vu 2-3 succès déjà qu'il fallait que je fasse. Il y en a qui sont pas mal. Le truc, c'est qu'il faut que je trouve des alligators. Oh, non, non, pas comme ça. C'est quoi ça? Si. Quoi? Il va me bouffer! Oh non, mais pourquoi il m'a dit d'appuyer sur 6, ce chacal? Je sais pas, moi. Eh ouais, c'est quoi cette merde? Casse-toi! Scan en cours, nouvel objectif, localisé. Bordel de merde, le truc qui m'a carrément... Hein. Non, c'est bon, c'est bon. Je me taille. Faut que j'aille le défoncer, l'autre, là. Bon bah écoute, je saute à la mer avec. Il est où le croco? Je vais pas prendre la terreur, quand même. Ça va faire trop bourrin. Il est là. Chacal. Voilà. C'est ça que j'aime. C'est tout ce que j'aime. J'ai l'impression qu'ils en ont mis un peu plus quand même. Qu'avant. Alors attendez, je regarde si c'est 6. Non, c'est 6. Non, il m'a quand même tué. Ok. Moi, j'ai pas compris. Je suis mort deux fois comme une merde. Bon, après, c'est moi qui l'ai voulu aussi, hein. Donc, maintenant, on va arrêter de s'amuser. On va quand même aller à l'objectif. Je voulais juste tuer cet animal pour l'avoir dans ma collection. Donc, il y a pas mal de succès. Comme tuer tous les animaux de l'île. Il y en a un qui est pas mal. C'est sauter 50 mètres. Je sais pas ce que ça... C'est quoi ça? Tout va
bien après cet afflux électromagnétique? Comme sur des roulettes. Il y a un truc, non? Aucun défi ne peut résister. Pas sûr, Rex. Je suis quasiment imbattable à The Bishop of Battle. Dak, jouez aux jeux vidéo? Oui, Rex. Les jeux vidéo sont un bon moyen de s'occuper, comme n'importe quel autre passe-temps. Il a été prouvé qu'ils favorisaient la coordination œil-main, la résolution des problèmes, l'interaction sociale et la confiance en soi. Et aucune étude n'a pu établir le lien entre jeux vidéo et violence. Honnêtement, tous ceux qui sont contre les jeux vidéo sont des enfoirés. Ah mais t'es sérieux? Ah mais t'es sérieux? Ah je suis sorti de la du véhicule, il s'est mis devant quoi. Ah non, wesh, là ça fait 4 fois, là ça commence à devenir ennuyant là. Affichage. Je vous l'ai dit que j'étais le roi des fails. Ne laissez aucun ennemi en vie. Ah vous savez ce que je peux faire? Ah je ferai tout à l'heure ça. Je vais faire comme sur BF3, je vais mettre du C4 dans mon véhicule. Et je vais l'envoyer sur notre véhicule et je le ferai sauter. Pas sûr, Rex. Je suis quasiment imbattable à The Bishop. Ah putain, elle recommence à tchatcher, on dirait le bug. Jouer aux jeux vidéo? Oui, Rex. Les jeux vidéo sont un bon moyen de s'occuper, comme n'importe quel autre passe-temps. Il a été prouvé qu'il favorise la coordination œil-main, la résolution des problèmes, l'interaction sociale et la confiance en soi. Et aucune étude n'a pu établir le lien entre jeux vidéo et violence. Honnêtement, tous ceux qui sont contre les jeux vidéo... Ils sont des enfoirés. Hey, wow, Doc. Non, Rex. Enfoiré signifie un être néfaste pour notre foi en les relations sociales. Scan en cours. Nouvel objectif localisé. Ne laissez aucun ennemi en vie. Bien ok. Sûr. Oh. Je me casse, je veux pas ça, moi. Ok, Doc. Parlez-moi du silo. Ce sont les laboratoires à Hauser. Le cœur des recherches sur les dragons de sang. Et la nurserie où on les élève. Les élever? Sloan. Dites-moi, Doc, comment vous vous êtes retrouvé avec ce taré? Quand les États-Unis ont enrayé l'invasion soviétique en atomisant le Canada, nous ne fions plus rien. Sloan nous a offert un toit et un but. On ignorait qu'il était devenu fou. Ok, Doc. Et c'est l'heure de la sieste, la nurserie. Objectif. Pénétrer les laboratoires Hauser. Ils m'ont déjà grillé quoi. Même parce que j'avais fait le camp juste avant. Ils sont sérieux. Et j'aime vraiment pas ce viseur, c'est abusé quoi. Oh non, ça va péter. J'adore le moment où il explose. J'ai quand même mis 15 minutes avant de commencer la mission principale hein. Ouais, je vous le dis, parce qu'on est allé chercher la VHS et tout, encore une fois. Donc je vous le dis, franchement, c'est un total... Je vous le répète encore une fois, si vous voulez voir vraiment une personne qui rush le jeu, ne regardez pas cette aventure avec moi, parce que je compte vraiment m'amuser. J'adore ça. Le complexe est ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, je sais pas si je suis bien en munitions et tout. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va y aller. Regarde juste si j'ai rien raté. Non. Peut-être en haut, il doit avoir peut-être des trucs là en haut. Non. Si jamais vous voyez qu'il y a des petits secrets, des trucs du genre ou quoi? Non, même pas. Ok. J'y suis, Doc. Pour une nurserie, je trouve que l'endroit est vachement scientifique. Ce n'est pas qu'une simple nurserie. C'est à cet endroit que Sloan construit les cages cérébrales pour contrôler les dragons. Ils n'attaqueront pas ces cybersoldats tant qu'ils porteront les cages cérébrales. Excusez-moi de l'avoir coupé. Arme... Qu'est-ce que j'ai débloqué? J'ai débloqué pas mal de trucs. Double canon. Chargeur amélioré. Commence à me plaire lui. Hein. Le sniper pour le moment ça sert à rien. Ça équipé. Tac tac tac. Détruisez les salles de stimulation expérimentale, Rex. Et si vous voyez des dragons avec des cages cérébrales,
griller l'unité de pacification à l'arrière de leur crâne. Ils retrouveront leur agressivité normale et attaqueront les cybersoldats. Sans ça, ils ne réagiront ni au cybercœur, ni au feu. Détruisez les prototypes de cages cérébrales. Ok. Oh là, ça va devenir chaud là. Il faut trouver et détruire les prototypes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait des œufs. Ok, ici y'a rien. Lui va me guenter, non? Je vous le dis, il va me guenter. Il va me guenter. J'ai pas vu qu'il approchait vers moi ce chacal. Enfoiré de sa mère, y'a Ender. Oh putain, il y en a deux là. Non, mais j'ai peur que si je saute, je peux plus remonter. Y'a personne là-bas, non, c'est bon. Tu sais, y'a une caisse là-bas. Faut que je la prenne. Heureusement que j'ai bien fait, j'ai pas sauté jusqu'en bas parce que je croyais que c'était de l'eau en fait, même pas non. Merde. Qui c'est qui me kent? Il est caché de ce côté ce con. Oui. Il est bête ou quoi? Il fallait se cacher de l'autre côté si tu voulais te protéger, crétin. D'accord. Ah, je peux faire des attaques silencieuses maintenant, c'est vrai. Ah, est-ce que je peux sauter? Non, je peux plus sauter. Ah, fais chier. Bon, je peux faire des attaques silencieuses avec ces gros bourrins. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'ils se tournent. Et si je jette mon dé de geek? Bon, c'est bon. J'ai réussi à tous les éliminer. Sans détecter l'alarme. Déclencher l'alarme, détecter l'alarme, n'importe quoi. Donc ici c'est bon. Là on remonte un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a par là? Wow wow! Il m'a guéri ou? Bon écoutez, je vais ouvrir le truc. Ouais ouais, il m'a grillé. Oh le chacal. Détruisez le prototype de cache cérébrale suivant. Jorzy activé. Pourquoi il se tourne pas? J'ai pas compris pourquoi il s'est pas tourné ce chacal. Vite. Passez à la prochaine salle de stimulation cérébrale. Attends, j'étais en train d'admirer le dragon, chacal. Ah, Miskina. Non, non, je te laisse pas sortir, mec. Tu vas me brûler le cul après. Je vais quand même prendre les ressources sur le gros. Je sais pas s'il en donne énormément, mais. Ouais, quand même. Encore un cœur brisé. Alors il faut aller par où? Par là-bas. Ok. Je comprends pas pourquoi il y a de l'...
C'est peut-être tout en haut. Ouh, ça fait froid dans le dos. J'avoue. Ils sont pas mal, mais ils sont tous de dos. Wow, wow, wow! Putain de merde, comme tu dis, mon gars. Terreur 4000. Mon gars, je déblaye là, c'est... Ah, mais trop du temps à mourir, c'est abusé. Détruisez le dernier prototype de cage cérébrale. C'est bon ? Je fais que passer, faites pas attention. Une boucherie, mon gars. Ah mais ce truc de T4000 là, Terreur 4000, c'est juste impressionnant quoi. Je peux pas l'améliorer parce que j'ai l'impression que les balles des fois c'est pas... C'est le mec qui se plaint et tout, il a une arme de fada et il est là, il dit ouais vous savez, c'est pas trop ça quand même. Vous avez pas eu le temps de déclencher l'alarme et tout. Qu'est-ce qu'il y a sur les tables? Peut-être j'ai raté quelque chose. Non, qu'est-ce qu'il foutait sur la table lui? Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce délire? Bref, on va pas s'attarder. S'il y a plus rien. Objectif terminé. Yes. Alerte intrusion. Alerte intrusion. À tout le personnel, empêchez l'intrus d'atteindre la porte du silo protégeant la nurserie vulnérable. HUD, nouvelle directive. Affirmatif. Objectif. Ouvrez la porte du silo. Objectif terminé. Descendez jusqu'au sous-sol. Est-ce que tu te fiches de moi? Vous n'êtes pas un mauvais gag. Vous êtes une machine à tuer. Sautez. Pourquoi est-ce que cette saloperie est si lente? Lol. Je pensais à ça aussi, j'allais dire putain, pourquoi c'est si lent? Wow. Je crois que je peux sauter jusqu'à tout en bas là? Putain, je vais sauter sur le mec là-bas. Même pas. Je l'ai bien baisé. Il est resté pendu le con. Vous êtes une machine, allez adieu. Banzai. Objectif. Sécurisez un lance-flammes et détruisez tous les œufs de dragon de sang. Alerte. Brèche dans le... T'es sérieux d'un coup lance-flammes? Alors attendez. Arrêtez l'intrus avant qu'il n'entre dans la nurserie et dirige les lance-flammes muraux d'urgence contre les couvées. À tout le personnel, veuillez ne pas utiliser de munitions mortelles pour éviter d'endommager les œufs. Oubliez ça. À tout le personnel, veuillez alors utiliser toutes les sanctions mortelles pour arrêter l'intrus. Lol. Je me ferai bien une omelette. Votre attention. Vous savez qu'il faut que j'aille. Ah merde. Les lance-flammes muraux doivent être utilisés uniquement en cas d'urgence par le personnel autorisé. Vous doutez qu'il s'agisse d'une urgence. Ça va payer grave. Probablement pas une. Bonne journée. Ils sont où? Ah, ils rigolent même pas. Dans la bouche, mon gars. Je m'en lasserai jamais. Par contre, les snipers, ça va être dur de les avoir de là-bas au fond. Les mange, mon gars. Ok. Shotgun. Je vais juste me mettre un coup. Oh.
t'a plu ? Faites pas attention. J'adore ces conneries. Allez, brûlons tous les œufs. C'est parti ! Prodigieux. Les aime, infiniment craquant. Attention, le feu excite les dragons. Oh ! Il ne les blesse pas. Ah mais t'es sérieux, je fais comment là ? C'est pour toi. Ou l'expression, marcher sur des œufs. Merde, j'aurais pas dû me piquer. Cadeau, 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 cadeau! Ah j'ai des défis aussi, tuer un dragon avec l'arc. Dès que j'ai vu le défi, je fais LOL. Allez on y va. Oh le bordel, il me crame le cul. Sur la plage, pour demain. Oh je suis ton ami. Laisse-moi courir bordel. Cavale chacal, cavale. Get up down, get up. J'aurais bien envie de le ruiner hein. Vas-y je le dessoude ou bien. Ah, le problème c'est qu'il y a sa cousine à côté. Oh Jerry bug. Elle explose. Et voilà. Toi aussi, tu en veux. Elle est mange. Je vais être dans la merde parce que déjà de 1 j'ai plus de trucs et de 2 j'ai plus de balles. C'est un cramage de cul, il fait mal là. Allez, sors ton petit truc pour te faire les bras, mon gars. C'est ce que je vais faire, je vais essayer de le mettre au minimum. Et en cas je vais... Reste là, reste ici. Ça lui fait rien alors. Et je vois pas sa vie partir hein. Ah pourquoi moi je suis mort. Mais non j'ai même pas regardé ma vie. Mais quel con. Mais quel con. Je suis vraiment trop. Putain. Les aime. Infiniment craquant. Infiniment craquant il a dit. Bon ça sert à rien tout ce que j'ai fait, ça servait à rien. Les dragons de sang. Il ne les blesse pas. Je suis vraiment fabuleux. Qui de l'œuf ou du dragon est arrivé le premier? Je sais pas, en tout cas je me casse parce que ça va faire mal. Une expression, marcher sur des œufs. Bah, laisse-moi tranquille, putain j'avais eu les deux quoi, j'étais trop content, j'étais fier de moi, j'ai fait mon truc.
Merde, j'ai même plus ma grosse arme. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, en soi, c'est pas si dur que ça. Hein. Vous lui faites tourner à gauche, à droite. Temps de sortir de ma coquille. On dirait Alien, les gars. Quand on extermine les œufs sur Alien. Est-ce que quelqu'un veut des œufs brouillés? Putain, j'étais trop content. J'avais eu mes deux dragons là. Pourquoi ça brûle pas? Et ils m'attendent tous les deux maintenant. Va chercher. Là, petit. Voilà pour toi. J'espère qu'ils vont venir tous les deux en courant là-bas. C'est bon, il y va. Sur le plat, je vous demande. Objectif, rejoignez l'ascenseur et fuyez. Alerte. Tous les œufs ont été détruits. Les systèmes d'extinction ont pris feu. Début de l'évacuation. Activation des protocoles d'autodestruction. Oh oh. Un bon 30 minutes. 3 dollars. Un bordel. Testing, bonjour. J'avais pas vu ça. Je sais qu'il faut se tailler, que j'ai pas le temps. Le problème c'est que je veux récupérer ma sulfateuse de la mort qui tue là, parce que je suis pas bien. Je veux ma terreur 4000. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent, chacal? Et bouffe. Girouette. Ma foi, j'ai eu un succès, je sais même pas comment j'ai fait. Qu'est-ce que ce putain d'ascenseur est lent? Comment ça se fait? Tension dramatique. Alerte. Dragon de sang en approche. C'est une des mères. Elle est furieuse que vous ayez carbonisé son nid. Vous n'avez plus le temps d'atteindre la distance minimale de sécurité. Wow, qu'est-ce que c'est? Ça te rappelle rien à toi? Non, 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 non. Wow, qu'est-ce qu'il y a là? Ça va, je rigolais. Je voulais pas tuer tes œufs, c'était gentil tes œufs. Chacal. Putain, il est lent. Bon, en attendant, je peux récupérer des munitions et tout, tu sais. Enfoiré quand même ce qu'ils ont fait. Et alors? Recommandation. Utilisez la tourelle. Sans blague. Et d'accord. Et alors il se passe quoi là? Oh le bordel. Allez, crevez, bande de chacal. Ok, ok. Je comprends rien du tout, je vous dis la vérité là, c'est... Tellement ça tremble dans tous les sens, c'est horrible là. Bon, je sais que je vais tout péter, c'est l'essentiel. Voilà. Décomposition. D'accord, j'allais dire le véhicule tourne tout seul, wesh. Objectif terminé. T'es sérieux? Rex, le
projet de Sloan. Le titan d'assaut hybride requin calmar amphibie a détruit la sortie du pont. Vous allez devoir sauter au-dessus du gouffre avec un véhicule. Objectif, sauter au-dessus du requin. Quoi? Mais je comprends rien. Oh, the fuck, c'est quoi ce délire? Oh, bordel! Sayonara, sushi! Yeeha! Rex, j'ai tout vu depuis ma lunette. C'était incroyable. Non, Doc. Des peintures de clowns qui pleurent ou des chiens qui jouent au poker, ça, c'est incroyable. Ce que j'ai fait, c'est juste mon boulot. Je parle pas au taré, je les explose. Ah... fait du bien. Donc écoutez, eh ben, on a fait bordel. Vers la fin, ça commençait à devenir chaud, je comprenais rien du tout. Alors qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai le lance-flamme du coup. Moi je vais pas vous mentir, je suis pas un fan incontesté de du lance-flamme, hein. Je trouve que ça sert à rien. C'est quoi encore ces bêtes? Ah, je les ai pas tués eux. 9 sur 12, c'est bon ça. Je suis pratiquement toutes les espèces. Les requins, je crois que je les ai pas tués. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce bidule? Attendez, attendez. C'est un truc qu'il faut tuer ou... Blessé? Pas bien compris ce que c'était en fait. C'est une méduse? C'est un serpent de mer? On dirait un serpent de mer, mais. Bizarre. C'est chelou, mon gars. Donc, ça. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc, la mission principale a pris pas mal de temps. Il voulait la place du mort. Voilà. J'ai trouvé une cassette, comme ça je suis content. Où elle est ma cassette? Où est ma fichue cassette? Peut-être en haut? Et merde! Ah, lui il me saoule. Ah, peut-être en dessous. J'ai un coup de pompe. Lol. Ah, ils me disent qu'elle est ici. Ah, elle est là, putain, elle était devant l'entrée, j'avais pas capté. Faut que je récupère un petit peu des cœurs là, vu que j'en ai beaucoup laissé. Vas-y, tout ton petit cœur. C'est bon. Donc les améliorations sur les armes, ça va, tout se passe bien. Là, il y a tout ce qui. Donc ça avance petit à petit, tranquillou. Doucement mais sûrement. Donc écoutez les oiseaux, moi je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode qui a été un petit peu bordélique. Je me rappelle au début si j'ai beaucoup fail comme un nan. Mais bon, écoutez, c'est les aléas du direct. Vous pouvez pas modifier. Et on finit. Un beau boom. Voilà, on finit sur ce beau boom comme la G-Rex et je vous dis à très bientôt les oiseaux. Allez, peace. Juste une pointe.